tous, comme je vous avais dit dans des précédentes vidéos, je vous propose aujourd'hui de réaliser cet encadrement à partir d'un coloriage de façon à mettre en évidence nos coloriages. C'est quelque chose de simple. Pour cela, il vous faudra... Alors, il vous faut... Alors, il vous faut un sujet à encadrer. Moi, je pense qu'on peut utiliser deux feuilles. Alors, c'est des blocs de chez Action. Voilà. Qui allaient avec mon... Oups là. Deux feuilles différentes qui vont avec mon sujet. Deux feuilles carton. J'ai retrouvé dans mes papiers, ou vous pouvez prendre aussi un calendrier, des grands calendriers, et puis un cadre, peu importe quand vous voulez, mais il faut qu'il y ait les pattes qui puissent se lever. Il vous faudra aussi un cutter. Il vous faudra une équerre, une règle, un scotch double face et puis un crayon de papier. Je vous laisse prendre les mesures, faire un arrêt sur la vidéo pour prendre les mesures qui sont toutes en centimètres. Donc une fois que j'ai tracé, je regarde si ça me correspond, si ça me plaît par rapport à l'idée que j'en avais. Et je vais découper à l'aide d'un cutter les différentes traits que j'ai indiqués.
Donc une fois que j'ai découpé mon premier rectangle, je découpe le deuxième à l'identique dans mon deuxième carton. Si vous avez pris un grand calendrier, vous n'avez pas besoin, vous le coupez qu'une fois. Là, c'est parce que je voulais un peu d'épaisseur et que mon carton était fin. Alors maintenant que j'ai mes deux rectangles, je mets du double face à l'intérieur pour les coller ensemble. Ensuite, je vais venir découper ma page rose pour moi en laissant un demi centimètre environ supplémentaire pour pouvoir faire les pas pour les coller. Je fais ça à l'intérieur du cadre et à l'extérieur du cadre. Toutes mes pattes et je vais venir toutes les plier. Et vous voyez, j'ai un peu de mal, le carton est très épais. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué pour moi de le faire. Donc en fait, je plie bien ici, voilà, quitte à le laisser appuyer. Je vérifie que les coins sont propres et ensuite je vais venir mettre du double face pour coller les différentes parties de mon papier rose. Thank you.
je remets un petit peu vision à ma petite fille avec son cadre. Et là, je vais voir ce que ça donne directement dans le cadre. Entre-temps, j'ai pris des fixatifs double face avec de la mousse au milieu parce que je veux que ma petite fille soit en relief. Donc là, je vais découper une partie de la feuille qui est un peu trop grande par rapport au cadre. Pour ne pas m'embêter, je prends le carton de fond du cadre, c'est comme ça que ça s'appelle, pour que ce soit plus simple. Donc je découpe mon ruban mousse et je vais en mettre derrière ma petite fille à différents endroits pour que on puisse voir en relief. Donc là, je mesure par rapport à l'intérieur l'espace qui va me rester entre le cadre et le bord de mon cadre rose. Là, je mets ensuite du double face derrière pour pouvoir le coller. Et j'essaie de recentrer ça sur mon cadre principal. Donc là, j'appuie, je colle bien, je vérifie si c'est un, et là je m'aperçois que je l'ai collé de travers. Donc heureusement, ça se décolle. Donc j'enlève les scotch double face et je positionne mon sujet à peu près au milieu et je le colle bien. Voilà, l'encadrement est pratiquement terminé. Donc maintenant je le remets dans mon cadre. Je fais attention à mettre le carton de fond dans le bon sens. Et voilà! J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me taguer. À bientôt!